Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. Donc je suis le docteur Couturier, on va faire l'injection. Une injection dans l'œil pour traiter la DMLA de Jean, une maladie qui altère sa vision depuis 3 ans. Des vaisseaux anormaux se sont développés sous sa rétine et laissent fuir du liquide dans la rétine. Si on laisse ce liquide évoluer, ça va détruire la vision centrale. À la différence des autres patients, Jean est inclus dans un protocole de recherche. Chaque mois, il ne sait pas ce qu'on lui injecte. Il y a des injections à intervalles réguliers, le patient ne sait pas quelle molécule il reçoit et il peut y avoir parfois des injections simulées pour que le patient reste en aveugle par rapport à la molécule qu'il reçoit. Regardez en bas vers vos pieds, très bien, ne bougez pas. Ce jour-là, aucun produit n'a été injecté. Dans ce protocole, on évalue l'efficacité d'un nouveau médicament. Il pourrait être administré tous les 3 mois contre tous les mois pour ceux déjà sur le marché. Et ça, grâce à l'anticorps qui pour la première fois est capable de neutraliser en même temps 2 molécules, le VEGF et l'angiopoïétine 2. Le médicament va détruire ou neutraliser une grande partie du VEGF, les vaisseaux vont devenir moins perméables, autrement dit plus étanches, et laisser moins de fuites à partir de ces vaisseaux. Et le fait de cibler l'angiopoïétine 2 va retarder la récidive. La partie intéressante, c'est que c'est le même anticorps qui est capable d'aller inhiber les 2 cibles et donc avoir un effet supplémentaire. Ce traitement est aussi testé sur les patients souffrant d'œdème maculaire comme Jamila. Pas de problème depuis la dernière injection? Non. Le protocole en aveugle a été levé. Ces médecins ont découvert qu'elle bénéficiait des nouvelles injections depuis plus de 2 ans. Et le résultat est sans appel. Avant de commencer le traitement, vous voyez, il y avait beaucoup de liquide dans la rétine. Et donc ensuite, avec le traitement, vous avez la rétine qui est bien asséchée, il n'y a plus du tout de liquide. Donc aujourd'hui, votre vision est bien stable. Une amélioration que Jamila constate dans son quotidien. Je ne voyais pas beaucoup. Je marchais à la maison, même dans la cuisine, quand je faisais à manger, des trucs comme ça, je voyais un peu flou. Là, avec le protocole, les injections que je suis, je vois beaucoup mieux. Ma vie, elle s'est améliorée. Je revis. Prochaine injection dans 3 mois pour Jamila. En espaçant les traitements, la qualité de vie de ses patients est ainsi améliorée. Il n'y a pas du tout d'inflammation dans l'œil, c'est parfait.